Mesdames, Messieurs, il reste deux combats à cette soirée. Et depuis le tour de l'entracte, il y a pas moins de trois membres de l'organisation de FM Lutte qui sont venus me voir pour insister, pour que je vous dise que le combat principal de la soirée, donc pas celui qui s'en vient, mais celui après, est un match qui s'annonce, dis-moi nos recherches, violent. Très violent. Il va y avoir des armes, il va y avoir du sang et tout et tout. Donc ceux qui ont le cœur sensible, vous pourrez dire que le FMU ne vous a pas averti. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai entendu? Est-ce que ça vous satisfait ce que j'ai entendu? Excellent. Donc le message est passé. Vous le savez pour la fin de la soirée. Je vais le message à vous passer un peu plus tôt. Je vous ai parlé de l'Académie de lutte du spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'Académie de lutte spectacle du Québec présente son premier gala mensuel le 1er octobre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le gala s'intitule Le Vortex Mystérieux et présentera sept combats qui ne seront pas annoncés, sept combats surprises qui peuvent impliquer n'importe qui, provenant de n'importe où dans le monde. Il y aura des légendes de la lutte. Il y aura des vedettes de la FM Lutte, des vedettes internationales, des vedettes interprovinciales, des nouveaux noms de la lutte, tout est possible le 1er octobre prochain à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Vous pourrez venir voir le tout pour seulement 10 $. C'est une aubaine pour voir ce spectacle. Et si vous voulez en savoir plus pour vous procurer des billets, ben, visitez nos médias sociaux pour plus d'informations. Les médias sociaux, c'est à peu près toutes les plateformes existantes. Vous cherchez le FM Lutte. Vous allez avoir ce que vous cherchez. Maintenant, que j'ai beaucoup parlé,